Je travaille à la Haute École Charlemagne depuis 1995. J'aime beaucoup ce que je fais, mais j'avais envie de reprendre des études et la VAE m'a permis d'avoir un accès à l'université. J'ai terminé il y a 7 ans des études d'ergothérapeute. J'ai directement commencé à travailler en santé mentale dans une institution. Et fin 2009, j'ai décidé de reprendre des études en accord avec mon employeur. J'ai évolué, j'irai au fur et à mesure dans la société. Maintenant, ça fait 12 ans que j'y travaille. Le fait de faire un master, ça me permettait d'avoir une place, on va dire, d'ingénieur et de responsable de projet. J'ai été aux Beaux-Arts et puis j'ai étudié l'infographie. Et je ne me suis jamais vraiment consacrée à la formation vraiment purement intellectuelle et c'est quelque chose qui m'intriguait depuis longtemps. Je me suis renseigné notamment auprès de l'Université de Liège. J'ai découvert qu'ils avaient une unité VAE, donc pour la valorisation des acquis et de l'expérience, qui m'a proposé donc de rentrer un dossier pour valider mon expérience. J'ai pu faire alors mon master en développement durable sur une année en 60 crédits plutôt qu'en 120 crédits sur 2 ans. Grâce au master en développement durable, on a su lancer un département, du moins un aspect développement durable, principalement en énergie renouvelable, tout ce qui est performance énergétique au niveau du bureau. Pour introduire ce dossier de la VAE, il demanda un petit peu quels étaient effectivement le parcours, les expériences antérieures au niveau professionnel, le parcours des études et bien évidemment il y a toutes les motivations. Le VAE m'a permis de ne pas devoir réaliser l'année préparatoire, directement pouvoir passer en premier master. Je n'ai pas une vue très précise de ce que je veux faire après avec ce master. Je sais que je veux pouvoir l'exploiter, mais on va dire à long terme. C'est une corde en plus qu'on rajoute à l'arc. C'est vraiment très intéressant, je pense, de bénéficier de l'aide de quelqu'un pour monter un dossier comme ça, quand on n'a aucune expérience de ce genre de service. Le master en sciences du travail peut être fait en un an, mais pour certains étudiants, il faut une année préparatoire. Et grâce à la VAE, j'ai pu ne pas passer cette année préparatoire et accéder directement au master en sciences du travail. C'est un peu une revanche sur ce que je n'ai pas fait auparavant. Et aussi dans le cadre de mon travail, c'est extrêmement intéressant. Un master en sciences du travail permet de voir comment fonctionne une entreprise, une société. Avec l'accompagnatrice VAE, j'ai vraiment pu prendre conscience de ce qui pouvait être des atouts auxquels j'aurais pas forcément pensé au départ. Donc vraiment tout ce qui est compétences transversales, tout ce que je pouvais réinvestir comme expérience personnelle. J'ai été admise l'année préparatoire au master en anthropologie et c'est une année qui n'était pas accessible sur base de mes diplômes. Donc ça c'est vraiment la décision du jury suite à mon dossier VAE qui m'a permis d'avoir accès à cette année. J'ai déjà un travail et je ne peux pas dire que c'est vraiment dans un but de réorientation professionnelle que je reprends des études, c'est un enrichissement vraiment plus personnel. La VAE m'a permis vraiment d'accélérer les choses. C'était vraiment un service qui m'a bien aiguillé au niveau administratif. Et on est aussi suivi après. On a des petits coups de téléphone qui demandent si ça se passe bien, si on est content du choix d'études. Je suis vraiment reconnaissante au service VAE, vraiment, parce que ça m'a permis d'avoir accès à quelque chose qui m'aurait été vraiment inaccessible.